Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane alias Lo Demoiselle, on me retrouve avec ce même pseudo sur Instagram et Ravelry. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle tricot et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine de vlog. Donc je vous emmène avec moi pour cette semaine où je vous parle tricot, je vous parle de mes petits achats quand il y en a lieu, voilà, je vous parle tout ce qui tourne autour du tricot, je vous montre mes avancées petit à petit au fur et à mesure. On débute une nouvelle semaine, la dernière semaine d'école avant les vacances, ça va faire du bien de... Voilà, des vacances... ça va faire du bien d'être en vacances, tout court. Enfin, même si moi je suis pas en vacances, c'est quand même pas le même rythme et ça va être agréable. J'ai hâte, voilà, j'ai hâte que ce soit les vacances. Je vous avais quitté la semaine dernière avec une surprise, avec le fait que je pouvais vous offrir une box de l'écho solidaire, donc j'étais super contente quand Lily m'avait proposé ça. Et encore une fois, vous allez devoir attendre la fin de la vidéo pour savoir la réponse, puisque je laisse les gens participer jusque samedi matin, et puis samedi après-midi je ferai le tirage au sort. J'ai déjà plus de 450 commentaires à lire sous la vidéo du concours. C'est voilà, c'est impressionnant, mais je suis contente que vous participiez autant. Ça me fait plaisir de vous gâter, mais voilà, il va falloir toute la semaine pour lire tous les messages. Mais voilà, je sais que j'ai eu le maximum de... Il y a un ballon sur la terrasse qui roule, ça m'a fait peur. Comme il n'y a personne, ça m'a... Mais non, tout va bien, c'est le vent. Voilà, je sais que j'ai eu le plus gros des messages là ce week-end et que maintenant, pour le reste de la semaine, normalement, il y aura moins de messages et donc ça ira mieux, mais il va falloir plusieurs jours pour modérer tout ça. Alors, sinon, niveau tricot, j'avance super bien sur la chaussette à Axel. Alors, que je vous montre. Hop, donc là, c'est la deuxième chaussette. Donc, on est passé du vert bleu foncé, donc du vert et bleu foncé à du bleu clair. J'aurais même pas à vous dire vert, jaune, bon, je sais pas trop quoi, pour repasser sur du bleu et du beige, du bleu, oh, je suis fatiguée, c'est lundi, du marron. Alors ça me fait quand même penser à, hop, on se retrouve un peu sur les mêmes couleurs, hop, si je les mets plutôt là, que sur le talon. Ah oui, vous voyez, ça y ressemble quand même. Donc voilà, donc ça avance. Là, il me reste plus que quelques rangs à faire. Et je suis en train de faire mes mailles. Quelques rangs à faire et j'attaque les côtes. Et puis après, elle sera finie. Voilà, voilà. Deux chaussettes extrêmement différentes. Hein. Si vous n'aimez pas ça, n'achetez pas cette laine-là. La Crunk Soul Lazy Lion, ça donne vraiment deux paires totalement différentes. Voilà. Ouais, il y avait quelque chose là hein, quand même qui se rapprochait. Je sais pas trop. Ouais. Enfin bref, voilà, voilà. Ouais, non, je me demande quand même si ça repart pas sur la même chose. Parce que si je la mets... j'en sais rien. Donc en fait, si je vous montre, je les ai tricotés comme ça. En partant du bleu ciel, on est repassé par du marron, par du bleu foncé, le bleu, hop, hop, hop. Et eh ben je me demande quand même, vous voyez, si là on les met comme ça, c'est à peu près les mêmes. Hein. Plus ou moins, ça y ressemble. Bah je verrai dans les côtes, si je repars sur du bleu foncé. Mais ça a l'air quand même, hein, si je vous les mets comme ça, là, un peu n'importe quoi, mais regardez. Si, hein, y a quelque chose, hein. Y a quelque chose qui se répète, hein, je pense. À voir sur les côtes, mais bon, il n'y a plus beaucoup de rayures à faire. Hein. Enfin bref, voilà. Donc ça, ça devient bon. Donc comme ça, ça devient bon, et que c'est mon petit projet secondaire par rapport à mon gros projet que je reparle après, j'ai lancé un petit sondage sur Instagram, je trouvais ça rigolo, parce que j'ai trois petits projets à faire durant l'automne. J'ai un bonnet tout slushy, j'ai un gnome que je veux tricoter, et une paire de mitaines. Et tout ça, ça rentre dans le cadre du challenge créatif de l'automne de Bobine et Pelote, Dev, hein, je vous en ai parlé à chaque fois. Donc j'ai ces trois petits projets à faire, puis je me suis dit que ben j'allais vous laisser choisir dans l'ordre que j'allais les tricoter. Je trouvais ça rigolo, donc voilà. J'ai mis un petit sondage sur Instagram aujourd'hui, et je verrai demain les réponses et savoir ce que je pourrais faire après mes chaussettes. Sinon, donc, je continue mon rose cardigan. Hop. Alors, je vous avais quitté, j'avais fini deux cadrans de mon cardio. Et ouais, ça avance, ça avance. Alors, et un par terre, ça commence bien. Enfin bref, je vous remontre un. Voilà ce que ça donne, un cadran
du gilet, hein. Donc le gilet rose de André Amaury se tricote par morceaux. Donc on fait des demi devant, des demi dos. Voilà, c'est quelque chose de très ample, de très large. Donc j'en ai déjà tricoté trois, puisqu'en fait j'en ai tricoté un entièrement. Il était beaucoup trop grand, je l'ai complètement détricoté. J'ai changé ma taille d'aiguille, la taille que j'avais choisie. Et donc j'ai recommencé et c'est quand même beaucoup mieux. Mais je pense que ça va être quand même quelque chose de ample, hein. Je sais pas trop ce que ça va donner une fois fini, mais ça va être quand même quelque chose de ample. Et ça, c'est donc le deuxième. Je sais même pas si je vous ai montré. Ah bah non, ça c'est le premier, ça. Voilà. Ça, c'est le premier. Donc on peut même pas les assembler parce que quand on si on suit dans l'ordre où Andrea Mori nous dit de les faire, on fait deux fois les deux morceaux qui sont symétriques. Donc celui-là, c'est le devant gauche. Celui que je vous ai montré, c'est le dos droit. Donc ben voilà, ça se raccorde pas du tout. Et là, je suis en train de faire donc le demi devant droit. Voilà, c'est ce petit bout-là que je suis en train de faire. Voilà, donc c'est symétrique en fait. Autant, bah en fait, je viens de tricoter en gros trois cadrans qui étaient dans le même sens. La torsade était dans le même sens, les augmentations étaient placées aux mêmes endroits. Et ben là, de le faire en symétrique, c'est compliqué. Je suis pas à l'aise en fait. Autant j'avais pris l'habitude, je savais très bien où elles étaient mes augmentations. Là, bah, il y a des fois où je me dis, ah, faut que je détricote mon rang parce que j'ai oublié mon augmentation en début de rang. Parce que ben, sur l'autre cadran, elle était en fin de rang. Et ça a un peu du mal à rentrer. Et c'est pareil, à chaque fois que je fais la torsade, je me dis, ah, je la faisais comme ça, donc c'est que je dois le faire dans l'autre sens. C'est pas aussi naturel que les deux autres premiers cadrans. Mais bon, voilà, c'est pas bien grave. Finalement, ça se tricote assez vite, hein. J'avais mis un peu plus. J'avais mis une semaine et un week-end pour faire les. Il y a tout qui fait du bruit. Pour faire mes deux premiers cadrans. Donc voilà, là d'ici la fin de la semaine, j'aurai fini un cadran, j'aurai commencé le dernier, et puis après, il n'y aura plus qu'à tout assembler. Ça sera la partie la plus difficile, et puis de faire l'encolure et les côtes un peu partout. Mais voilà, ça prend forme, ça avance, je suis contente, j'aime bien. Je suis vraiment contente de la laine, de mes couleurs, et j'ai quand même hâte de le voir au moins une fois assemblé, de voir ce que ça va donner, ouais, cousu ensemble pour se rendre compte un peu mieux de la taille. Voilà, donc cette semaine, on va suivre l'avancée du rose cardigan, la fin des chaussettes, et puis un nouveau projet qui va débuter. Voilà. Alors, je vous retrouve, on est toujours lundi. Et je vous ai pas dit d'ailleurs, tout à l'heure, je porte mon Love Note. Voilà, j'aime bien. Mais un petit peu frisqué. Un petit peu frisqué sur le bout des manches. Mais voilà, j'aime beaucoup quand même ce modèle. Alors, je reviens parce que j'ai fini la seconde chaussette. Oui. Voilà. Elle est finie. Ça y est. Je me suis posée pour la finir. Je me suis souvenue en me posant que je m'étais dit que j'allais faire le. J'ai fini le montage de l'épisode de la vidéo sur le pull Ellie de Nadia qui va sortir jeudi. Et donc je dois faire l'article du blog et c'est ce que je vais faire là tout de suite. Je vais aller faire un petit peu de feu parce que ça va être vachement bien. Mais je vais aller. Puis je vais me mettre à l'ordinateur pour travailler. Alors, cette fameuse laine. La Crunk Soul, la Lazy Lion de Crunk Soul Wool. Alors, mon bilan, c'est que le coloris revient. Je suis quand même quasiment sûre. Hein, si je vous les mets. Alors, si, je sais plus déjà. Là, là, là. Si à peu près on les colle. Là, vous voyez, on repartait sur la même chose qu'on avait eu là. Un peu plus haut, peut-être. Mais franchement, la fin de ma chaussette, là. C'est la même partie qu'ici. Vous voyez? Finalement, regardez, ce sont les mêmes couleurs. C'est le même bleu, c'est l'espèce de même vert. Ça passe au beige, au marron. Et là, si je vous montre la fin, là, vous voyez? Il y avait une petite touche de bleu. On en est là. Voilà. Donc bon, c'est pas évident à comparer, à mettre côte à côte parce que bah, moi, j'ai des trois rayures à chaque fois qui partent dans les talons. Mais au final, ce qu'il y avait avant la pointe ici, c'est cette partie-là. Voilà, c'est à peu près ici. Donc, est-ce qu'avec le même écheveau, on peut faire deux chaussettes identiques? Peut-être, si on utilise des contrastants pour les pointes, talons et côtes, je pense qu'il y a moyen de.
de réussir à en faire deux. Non, peut-être pas deux identiques. Quoique. Parce que là, j'aurais. Là, en fait, sur la pelote, je repasse complètement à cette partie-là. Couleur caramel et bleu foncé. C'est exactement ça. Et en fait, ben, voilà. Bref, toujours est-il que c'est le même coloris qui revient. Donc, la répétition complète de la couleur. Si je vous le mets. En fait, donc, si on commence à peu près là, c'est beige marron, caramel bleu, bleu vert, bleu foncé vert. Bleu clair, vert clair, et on repart à la même chose. Voilà, en fait, si je prends à peu près de là, voilà, jusque là, c'est. Ah, ou en fait, si peut-être je colle les deux chaussettes comme ça, là, voilà, c'est ça, ça va de là, hop, 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 et ici, au final, il n'y a pas grand-chose qui manque, mais c'était les mêmes. Ouais, la même couleur qui se poursuit là. Si je vous dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Voilà, à peu près quoi. Alors je me demande, je me dis peut-être qu'en fait comme ben, ils teignent plusieurs kilos de laine d'un coup, je pense que c'est un plein, c'est un long fil qui est teint. Et je pense qu'ils coupent en fait tous les 100 grammes pour faire un écheveau. Ben, je pense qu'en fait si on rachète, si je rachetais le même écheveau, ben, il commencerait pas à la même couleur. Il commencerait peut-être pas. Par cette couleur-là, ça commencerait peut-être plus loin en fait, parce que là, j'ai pas non plus. Je pense pas avoir exactement. Je pense pas qu'il y ait. Parce que j'ai quand même utilisé beaucoup de grammes, j'ai pas pesé, mais donc je pense pas refaire tout le coloris complet dans ce qui me reste. Moi, bon, je sais pas trop. Je suis peut-être pas claire. Bon, toujours est-il que on voit. En faisant les deux chaussettes, on a le coloris complet qui passe une fois et ça recommence une seconde fois. Voilà. Voilà. Donc ça c'est fini, c'est bon, c'est bon. Et donc je vous avais, je crois que je vous l'ai dit avant, que j'ai fait un sondage, j'avais mis un petit quiz sur Instagram pour vous demander qu'est-ce que je commençais après. Donc les mitaines Harry Potter, le bonnet Slushy ou un gnome. Ça sera pas le bonnet qui va être, il est pas, il a des votes, hein, mais il est pas premier. Par contre, c'est hyper serré entre. Entre quoi? Entre les mitaines et le gnome, il n'y a que 4 voix de différence entre les deux. Donc en plus, comme je le laisse, je l'ai mis ce matin ou cet après-midi. Enfin, je l'ai mis dans la journée. Donc je le laisse encore jusqu'à demain. Voilà, le temps des 24 heures de vision sur les stories Instagram. Je verrai, mais c'est hyper serré entre les mitaines et le gnome. Je ne sais pas encore ce que je vais commencer. Donc je ne sais même pas ce que je dois dominer. Donc en fait, je suis triste parce que j'ai plus de petits. De petits projets voiture et là les garçons ils sont tous les deux au basket et c'est moi qui vais récupérer Noah tout à l'heure et j'ai pas de tricot, j'ai pas de petit tricot facile à transporter pour la voiture, ou à moins que je prenne mon rose cardigan, mais c'est embêtant parce qu'il faut que je prenne le tableau avec pour suivre en fait les augmentations, la torsade et tout. Donc voilà, tant pis, ça sera maman taxi sans tricot cette fois-ci. Voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Bonjour, alors je vous retrouve. On est en début d'après-midi, j'ai déjà fini. Et je vais prendre du temps pour moi puisque je m'en vais chez le coiffeur. Va tout couper. Tout couper tout à l'heure, j'ai hâte. Donc un peu moins de tricot en vue cet après-midi, mais c'est pas bien grave. C'est pour un autre plaisir, ça ira très bien. Alors, je vous montre mon avancée de mon rose cardigan. J'ai intégré la troisième couleur et je tricote la troisième couleur. Donc, j'ai fait la partie où vraiment ça augmente beaucoup d'un coup. Et bah, maintenant, j'avance tout doucement. Hein. Je suis encore. Bah, de toute façon, je dois encore intégrer la quatrième couleur. Puis après, c'est la partie du dos. Donc, il y a une partie droite centrale à faire dans le dos. À faire. Donc c'est, je trouve, c'est le morceau le plus long à tricoter, c'est de faire les dos, parce qu'il y a une partie longue, enfin longue. C'est même pas si long que ça, mais je, allez savoir pourquoi je trouve ça long à faire sur ce gilet-là. Mais bon, voilà, ça avance à son rythme, ça avance bien. Oui, voilà, ça avance bien. Alors, c'était trop rigolo hier de faire le sondage pour savoir qu'est-ce que je tricotais en premier. Il y a eu un moment où entre les mitaines et le gnome, il y avait 3 voix d'écart, puis plus qu'une voix d'écart, et je me suis dit, ah, c'est tendu, c'est vraiment serré. Bon, le bonnet, il était derrière.
Y a pas... Le bonnet, il est resté derrière tout le long, hein, c'est tout, c'est pas grave, il passera après quand même, hein, je compte le tricoter. Donc, mais voilà, et au moment de se coucher, les mitaines avaient pris de l'avance, et ce matin, c'est sûr, les mitaines étaient au-dessus avec 135 voix contre 88, il me semble, pour les gnomes. Donc bon, ça va partir, je vais faire donc les mitaines. Alors, pour faire les mitaines, je vais utiliser mon restant de l'écheveau solidaire, donc c'est le coloris Rare Bones, sur sa base Kidness. Donc la base qui n'existe plus, mais elle va sortir une nouvelle base qui est similaire. Ça, c'est mon restant de mon pull Ellie que vous allez voir qui sort dans 2 jours. Quand vous voyez cette vidéo, voilà, il est déjà sorti. Donc ça, c'est mon reste de mon pull Ellie dans le jacquard. Et je me suis dit que j'allais soit le combiner avec, j'allais combiner avec un de mes deux zinzins indigo que j'ai, donc de Nathalie, de By Night. By Night Dyes. Donc j'en ai deux de zinzins indigo. J'ai un zinzin indigo à la Garance et le premier que j'avais acheté, c'est à la laque. Donc regardez comme ils sont beaux. Et bien de toute façon, mon choix, il est vite fait parce que ça, c'est trop proche de celui-là. Hein. Vous voyez, si je pense qu'il y a des zones où mon jacquard, il se verrait pas bien. Donc je vais utiliser celui à la laque. Donc bleu, violet, avec des petites touches de rose. Sachant que mon manteau d'hiver, il est rose. Bon, je pense que ça ira très bien avec. Et puis avec celui-là, ben, je ferai des chaussettes. Voilà. Mais celui-là, donc, il va partir dans des mitaines. Ça va être super beau. Voilà. Je pense que le contraste, ça va être doux, mais ça devrait se faire. Ça devrait être pas mal. Voilà. Donc ça, il faut que je le bobine et que je le fasse. Par contre, ben, ça fait que j'ai plus de tricot nomade que je peux en prendre. Ben, si je pourrais peut-être prendre mon rose cardigan. Oh, j'y vais tomber la pelote. Enfin, comme d'habitude, vous allez me dire. mon rose cardigan, mais il faudrait que je prenne le tableau. Ben, ça m'embête un petit peu. Et puis alors là, ça va être une grille de jacquard à suivre. Je vais pas y arriver du tout à le transporter. Hop. Alors si je vous montre. Les mitaines, elles proviennent de ce livre-là. Donc vous voyez, je vais pas me trimballer ça tout partout. Et hop, les mitaines, elles sont là. C'est ça que je dois faire. Et comme le diaphragme, il est quand même bien, il est clair, il est propre. Ben, je veux dire, il est bien lisible sur le livre. Je vais pas en faire une photocopie, je vais utiliser celui du livre et puis voilà, c'est tout. Ça sera pas un projet nomade. Oh, je vous les montre en plus grand. Mais voilà. Donc moi, le jacquard sera en beige, là, le coloris de l'écheveau solidaire, et le fond sera dans le By Night. Voilà. Donc ça sera le fond, il sera en dégradé. Donc c'est mon prochain projet et donc ça va entrer dans 2 catégories si je me trompe pas. 3 catégories du challenge créatif de l'automne puisque je tricote à un patron de ma bibliothèque. J'ai le livre depuis début 2020. Je m'aventure, c'est la première fois que je vais faire des moufles en jacquard comme ça. Et un truc pour les mains, il fallait faire des moufles. Donc 3, 3 je sais plus quoi. Valider 3 catégories validées avec un seul projet. Donc on est bien, on est bien. Et ensuite, parce que c'est une super bonne journée, j'ai reçu un petit colis. Hop hop hop, de la part de Wool's Bags. Donc je suis trop contente, c'est trop trop beau. Alors je vais tout enlever. Hop là. Donc Wool Bags, hein, c'est une marque que je vous parle souvent parce que je suis cliente, mais je suis également ambassadrice. Et là, ce que je vais vous présenté, c'est dans le cadre du programme ambassadrice dans lequel j'ai la chance d'y être. Et je remercie encore Laura pour ça. Alors, on va commencer par le plus petit au plus grand. J'ai reçu des petits bloqueurs à aiguilles. Alors, depuis que mon amie Apolline m'en a donné, j'ai découvert que c'était quand même vachement bien. J'utilise des tubes, hein, mais c'est vrai que les petits bloqueurs, c'est quand même pas mal. C'est trop mignon qu'il y en a. Il y a cette petite paire de moutons, c'est trop beau. Vous voyez, hop, on enfonce juste son aiguille là dedans et puis et si l'aiguille elle est fine, vous pouvez le faire ressortir de l'autre côté. Ça m'est arrivé avec d'autres que j'ai. J'en avais acheté justement chez Woolbags. J'ai des montgolfières et des arcs-en-ciel. Voilà. Ensuite, il y en a, elle m'en a envoyé d'autres, hop, que je vous montre, descend. Alors. Là, cette fois-ci, ils sont plus petits, ils sont en forme de boule et je pense qu'ils vont être bien pour les aiguilles à chaussettes, vous voyez, hop. Ça va être pas mal parce que c'est petit, donc j'ai reçu une paire en bronze et une paire en couleur
Un peu toutes les couleurs, vous voyez, c'est un peu couleur licorne. Donc voilà, j'en ai reçu. Et ça, à chaque fois, c'est par deux, hein, mais c'est que c'est. C'est pas évident de vous montrer. C'est tout petit! Oh, je vais les poser là pour pas les perdre. Elle m'a envoyé également un petit écheveau de laine. Bon, un petit. Un écheveau de 50 grammes. Hop, je vous montre donc. Regardez-moi. Alors, moi qui ne suis pas très bleue, bah, j'avoue qu'il est vraiment très très joli avec tous ses nuances, les speckles. J'aime beaucoup. Bon voilà, vous savez, hein, je suis quelqu'un qui aime quand même principalement les laines nuancées à speckle. Et j'avoue qu'il est vraiment très joli. Donc c'est dans sa base Merino Nylon. Donc voilà, 75-25, hein, c'est la laine à chaussettes, 50 grammes. Donc avec un contrastant, j'arriverai à faire une paire de chaussettes. Alors je verrai, soit pour moi, parce que j'avoue qu'elles sont quand même, elle est quand même très jolie, ou soit pour un des garçons. À voir. À voir, à voir. Jamais, mais sur le coup, je m'étais même dit peut-être que ça serait peut-être plus contrastant ça pour mes moufles. Attendez. J'ai été récupérer ma laine. Parce que j'avais prévu de faire ça. Je sais pas si ça sera beaucoup plus contrasté, un peu plus, mais bon. Non, je restais sur mon idée de bagnette. Puis je ferai des chaussettes avec ça. Ça sera chouette. Et enfin, hop, oula, désolée, j'ai fait du bruit. Et le dernier truc, oh, regardez-moi cette merveille. Un beau sac à projet. Il est vraiment magnifique. J'adore le tissu. Il est bleu, mais regardez, les petits renards roses là, c'est trop beau. Il est vraiment très très beau. Et ce sont donc des nouveaux sacs qu'elle fait parce que je vois, il est très différent des autres. Alors vous n'allez pas vous en rendre compte, mais en fait, on dirait qu'il est matelassé à l'intérieur. Contrairement à d'autres. Est-ce que j'en ai un sous la main? Non, ils sont rangés plus loin. Bon, bref, vous n'allez pas le voir, mais il est plus épais que ses précédents sacs. Ouais, il est plus épais en fait, donc il tient mieux debout. Et c'est vachement agréable au toucher. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais on sent que, il y a quelque chose. Il est doublé à l'intérieur. Entre les deux tissus, il y a quelque chose là. Est-ce que là, il n'y a rien et là, il y a quelque chose. Bon, il est matelassé, quoi, il y a quelque chose dedans. Donc voilà, ce très beau sac également. Hop, puis ça sert avec des petites cuisses. On n'a jamais assez de sacs à projet. Regardez comme ça va être beau là. En plus, quand je ferai. Le paquet est tombé. Regardez, ça sera parfait pour aller dedans. Donc c'est vraiment magnifique. Vraiment très très beau. J'aime beaucoup ces sacs à projet. Je les utilise énormément. Moi, j'utilise. À chaque fois que je fais un tricot, je mets dans un sac à projet. Ils tournent beaucoup et c'est vrai que j'ai rien à dire sur ces sacs. J'ai eu aucun souci, les liens ils se sont pas défaits, parce que j'ai eu des sacs où le lien s'est défait ou autre. Là non, j'ai jamais eu de souci avec ces sacs. Ils ont, ah, voilà, il n'y a rien à dire, ça fonctionne très bien. Donc voilà, hop, j'ai été gâtée. Donc merci encore Laura si tu passes par là. Donc voilà, ça c'était la petite réception du jour. Ben, voilà, petite réception du jour. Je vais aller tricoter un petit peu et après je m'en vais chez le coiffeur et vous verrez les résultats demain. On se retrouve avec beaucoup moins de cheveux au passage. Voilà, je vous l'avais dit hier. Petit tour chez ma coiffeuse. Ça m'a pris 2 heures au total. Elle est vraiment très minutieuse et tout. Donc voilà, 2 heures où j'ai pas tricoté. Donc j'ai peu d'avancée de tricot. Puisque, bah, voilà, 2 heures à papoter. Hein, on n'avance pas le tricot. Alors, je vous montre. Bah, mon rose cardigan, il n'a pas beaucoup avancé depuis hier. Hop, je suis arrivée à la fin de mon écheveau de ma troisième couleur. Et hier, j'ai bobiné mon écheveau de zinzin indigo que j'avais pour faire mes mitaines, ma moufle Harry Potter. J'ai pas pensé à bobiner les écheveaux suivants. Parce que ben, ne sachant pas quand même où j'allais avec le rose cardigan, j'avais juste bobiné un écheveau de chaque couleur. Et j'avais pas bobiné les suivants. Et là, donc, il faut que je bobine un écheveau de la troisième et quatrième couleur. Donc là, j'ai fini, ben, voilà, j'ai fini mon écheveau. Donc il faut que j'aille bobiner, mais avant j'ai des coffres à faire, donc je verrai ça après. Mais voilà, ça avance vraiment doucement mais sûrement. Comme je vous ai dit hier, très peu de tricot. On est très très couche-tôt en ce moment, et donc on lit et je tricote pas du tout le soir.
Donc voilà, si c'est à la fin de la semaine, j'ai fini ce troisième cadran, ça sera déjà pas mal. On verra bien. Alors, comme je vous disais, j'ai aussi bobiné mon écheveau de zinzin indigo. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Donc c'est pour faire les moufles Harry Potter. Donc je combine les deux ensemble, voilà. Donc ça c'est un reste de... C'est de la kindness de l'écheveau solidaire. Alors que je vous montre mon petit début. Hop. Je prends un peu de marge. Voilà ce que ça donne. C'est le début de la moufle. C'est au niveau du poignet. Donc vous pouvez voir, c'est pas très flagrant le... Comment on appelle ça? Le jacquard. Le contraste, il est pas foufou. Hein, et je m'en doutais que ça serait pas... Voilà, je m'en doutais. C'est des couleurs trop claires, trop proches pour qu'il y ait un fort contraste de jacquard. Mais ça me tenait vraiment très à cœur d'utiliser celui-là. Et si ce n'est de le faire... Je pense pas avoir quelque chose dans mon stock qui pourrait aller avec. Faudrait aller sur du gris très foncé, voire du noir, ou du bleu très foncé. Bon, une couleur vraiment très foncée pour aller avec. Et finalement, c'est pas quelque chose qui m'irait. Donc je sais que voilà, je vais avoir des parties dans mon jacquard qui ne se verront pas bien. Et puis c'est tout, quoi. Ça... Voilà, je trouve que ça. Ça sera comme ça, et puis c'est tout. En tout cas, ça seront des couleurs qui iront parfaitement avec mon. Comment on appelle ça? Mon manteau d'hiver. Donc là, c'est un petit motif simple. Des fois, j'ai l'impression que j'ai faux parce que quand le bleu, quand je suis sur une zone de blanc, vous voyez, il y a des fois, il y a du blanc très, il y a du blanc, mais en fait, ça se voit pas, ça se voit pas trop dessus. Alors, attendez, je vous montre, hop, quand même sur le livre pour que vous voyez, vous allez voir ce que j'étais en train de tricoter. Hop, où est-ce que c'est? C'est ça que j'ai fait. Vous voyez, chez eux ça se voit très très bien. Chez moi ça se voit vraiment pas bien. Mais c'est là. Voilà, je viens de tricoter le bracelet là, à ce niveau-là. Oui, je pense que je vais laisser comme ça. Je réfléchis encore, hein, mais j'aime beaucoup quand même ces deux couleurs. Et puis c'est tout si on ne voit pas forcément si bien que ça le jacquard. On verra bien après. Alors j'ai mis mes petits anneaux. Vous voyez ça, ce sont les petits bloqueurs que je vous avais dit que j'ai reçus par Woolbags. Parfait là pour les mettre comme ça. En plus au niveau de la couleur, on est hyper assorti au aux zinzins indigo. Donc au début j'ai commencé à faire mes en magic loop sur une grande une aiguille fixe avec un cas qui faisait 80 cm au total, il me semble. Enfin bref, sur une fixe assez longue en magic loop, mais j'ai trouvé ça vraiment galère. C'est au niveau là, hop, là où j'ai mes marqueurs. En fait, quand on changeait de côté d'aiguille, bah de faire suivre pendant le jacquard le fil qu'on tricote, mais le fil qu'on ne tricote pas à ce moment-là, c'était un peu galère. Donc finalement, j'ai repris mes mini circulaires comme vous pouvez voir. Les Addi Socks Wonder Lace en 2,5. Et donc là, par contre, c'est parfait pour faire le jacquard. C'est quand même beaucoup plus simple. Je m'étais dit en fait que ça serait plus simple de faire le jacquard avec des grandes aiguilles, mais en fait non, de faire le magic loop, du magic loop avec du jacquard, c'est pas évident. Et finalement, le jacquard avec les petites aiguilles, ça se passe bien. Et j'ai moins de soucis au niveau du changement de rang. Il y aura, voilà, ça se passe mieux. Donc je vais continuer comme ça. Et puis voilà. Par contre, il me faut de la concentration. Le motif, il sera toujours différent à chaque rang. Alors ça va, c'est que sur... C'est 30 mailles. C'est d'un côté 30 mailles pour le devant, 30 mailles pour le dessous. Donc c'est pas des longs rangs non plus. Mais faudra toujours regarder. Donc faut vraiment que j'ai la tête qu'à ça, que je me concentre que sur ça. Donc ça va avancer petit à petit. Voilà. Et puis peut-être que vraiment, si ça va vraiment pas le contraste des couleurs, peut-être que je recommencerai, mais... Non, je crois que j'aurai pas la motivation. Voilà. Alors par contre, moi, ça roulotte. Et ça, je vais pouvoir rien y faire parce qu'en fait, normalement, il y a une doublure. On fait un montage provisoire, on fait une doublure. Et moi, je compte pas la faire, la doublure. Donc, ça roulotte jusqu'au moment du jacquard. Une fois qu'il y a le jacquard, bah, ça roulotte plus. Mais tant pis, ça restera comme ça parce que moi, j'ai monté directement mes mailles parce que je compte pas faire la doublure. Et comme ce sont pas des côtes, ça fait ça. Mais bon, à part ça, après, bon, ça se verra plus, hein, ça sera dans le manteau, je pense. Mais là, dès qu'on a fait le jacquard, ça roulotte plus, il y a assez d'épaisseur derrière.
pour que ça évite le jersey de rouler. Voilà pour aujourd'hui. Donc je m'en vais faire des gaufres et puis j'espère quand même ce soir pouvoir avancer un petit peu sur mon rose cardigan. Il faut que j'aille bobiner les échevaux suivants pour avancer. Alors, je vous retrouve. Merci pour tous vos gentils messages. J'ai réussi à lire tous les commentaires sous la vidéo du concours. Plus de 700 commentaires. Ça a fait un sacré paquet, mais je les ai tous lus. Et franchement, vous avez été super adorables. Et ça m'a beaucoup touchée. J'ai reçu beaucoup de gentillesse. Alors, comme à chaque fois, mais alors là, ça a été une explosion. Voilà, c'était juste incroyable. Merci infiniment à vous pour tous vos messages, pour tous les partages, pour tout ce que ça apporte derrière. Parce qu'au-delà de juste visionner moi, je fais les vidéos, vous les visionnez, mais il y a quand même énormément d'échanges derrière. Et donc, merci beaucoup à vous pour tout ça. Aujourd'hui, la vidéo du pull Ellie, elle est sortie. Je me dis, j'aurais dû le mettre aujourd'hui, mais voilà, j'ai pas pensé du tout. Merci aussi pour tous vos messages déjà dessus, pour tous vos... Voilà, vous... À chaque fois, vous me dites que je fais des beaux tricots et ça me touche beaucoup. Je suis contente que ben, mes choix de couleurs vous plaisent. Et c'est vrai que ça me touche énormément. Alors, je reçois des messages, c'est vrai que bah, je tricote quasiment que des laines teintes main. Je sais que c'est onéreux, je sais que tout le monde ne peut pas se le permettre. Il faudrait que j'essaye de maintenant de vous... Peut-être, bah, j'ai envie de vous dire, si vous ne pouvez pas mettre de la laine teinte main, moi je me tourne toujours vers Drops. Parce que le rapport qualité-prix, il est vraiment bien. Chez Findr, si vous cherchez du 100% laine, ben, les pelotes vont être chères. Pareil chez Bergère de France, tout ça. Chez Fonti, ça va être quand même cher. Chez Dererum Natura, ça sera cher. Alors que ben, chez Drops, franchement, voilà, le rapport qualité-prix sur la Drops, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas photo, ils sont imbattables. Donc aujourd'hui, ben, je porte pas mon pull Ellie, je porte mon super combo là. Maritimo, je crois, et mon gilet Quiet Star, donc Kathleen Hunter et Rory Locatelli, hein. Je l'aime beaucoup. J'ai mis ça aujourd'hui parce qu'en fait, on a énormément de vent, il y a une tempête là, sur tout l'ouest de la France, donc nous on l'a pas, mais on a quand même énormément de vent, et hier il a fait chaud, et aujourd'hui en fait il fait froid, on a perdu 10 degrés aujourd'hui. Ah, ces yaourts ils sont pris, je suis désolée. Voilà, elle a fini. Et donc on sait plus comment s'habiller. Donc je m'étais dit un top et un gilet, comme ça en fonction du moment de la journée, je peux défaire une couche ou la remettre. Alors, je reviens pour vous parler de mes mitaines. Alors, hop, j'ai des fils partout. Voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai commencé à faire le jacquard du dessin de la moufle, là. Oui, c'est ça. Le jacquard, quoi, de la moufle. Alors déjà, si vous le faites, ces moufles-là, on a la grille pour le dessin de devant et la grille pour le dessin de derrière. Moi, j'avais mis deux marqueurs sur mon... un marqueur de début de rang. Et puis, à la moitié des mailles, un deuxième marqueur pour marquer la deuxième moitié. Mais en fait, ça marche pas parce qu'on a, au départ de la moufle, on a plus de mailles sur le devant que sur l'arrière de la moufle. Au début, je me suis dit, j'ai faux dans mon diagramme. Je recompte. Et en fait, non, sur le diagramme, effectivement, il y a plus de mailles sur le devant que sur l'arrière. Voilà, c'est juste ça à faire attention. Donc, j'ai commencé mon jacquard. Mais... Force est de constater que on voit pas grand-chose. Il hein. Y a pas. Alors je vous l'avais dit, hein, je savais que le contraste serait pas foufou, mais en fait, il est pas. C'est pas terrible du tout, du tout. Donc ça ne va pas. En fait, je voulais absolument tricoter le Zinzin Indigo de By Night parce que je trouvais que le changement de couleur, il se prêterait tellement bien. Mais j'ai rien en fait qui contraste avec ça. Il aurait fallu du noir, je pense, ou un gris très foncé, et je n'ai pas. Donc ça va pas être possible. Alors je vais tout défaire. Je vais quand même reprendre mon restant de Kindness de l'écheveau solidaire que j'ai. Et je me suis dit, bah en fait par contre, je vais utiliser le mini que j'ai reçu de Woolbags. Voilà, ça tombe bien. Et en plus, pour ceux qui connaissent Harry Potter, donc ce sont les moufles Expecto Patronum, un Patronus, c'est bleu. Donc, ma foi, on est raccord dans le thème. Donc je vais utiliser... Je vais utiliser ça parce que je pense que ça sera, c'est bleu quoi, il n'y a pas de touche de rose, il n'y a pas de touche de blanc. Et là c'est ça que le contraste ne fonctionne pas. Je suis tout emmêlée hein, par contre. C'est que il y a du rose, il y a du blanc parfois. Vous voyez celui-là il est quand même plus, le bleu est plus intense.
Et je pense que le contraste, il sera mieux. Donc, je vais m'en aller défaire tout ça et bobiner celui-là. J'arrête pas de bobiner de la laine en ce moment. Mais voilà, je vais faire ça et je pense que ça ira mieux au niveau du contraste. Donc voilà, on défait et on recommence. Et on se démêle. Je vous retrouve. Alors, petit point rose cardigan. L'objectif de cette fin de semaine, c'est de finir le troisième cadran. Finalement, j'aurais été beaucoup moins vite à faire ces cadrans-là qu'à faire les deux premiers. Mais enfin bref. Alors voilà où j'en suis. J'en suis dans ma dernière couleur. Je suis encore sur le de premier écheveau de ma quatrième couleur. J'ai dû passer à mon second écheveau. Alors où c'était? Que je vous montre. Hop, là c'est le de fin rang. Ah oui, c'est au moment de changer les couleurs. Vous voyez, là j'ai fini mon premier écheveau de ma troisième couleur. Et je verrai si j'ai assez, s'il faut que j'entame le deuxième écheveau pour la troisième, pour la quatrième couleur, mais bon bref. Donc là en fait j'ai fini la partie où on rabat au niveau de la torsade et j'ai plus qu'à faire tout droit le dos. Je crois que je vous l'ai dit. Non, je sais plus. Je viens de faire le montage. Hein. C'est pour vous dire à quel point ça rentre et ça ressort. Oh là là, c'est terrible. C'est du tricot au cerveau. Là, j'ai juste à faire un certain nombre de rangs, point barre, ça tout. Donc ce soir, j'accompagne mon chéri à son assemblée générale dans son club de sport. Donc je vais tricoter. Et demain, il y a tricoté. Et demain, au tricoté, enfin, je finirai ça et je commencerai mon quatrième cadran. Voilà, j'embarquerai mon papier et puis voilà. Hier, pas beaucoup de tricot non plus. En fait, finalement, cette semaine, pas tant de tricot que ça. Hier, Noah a fait une belle chute au collège. Au point que le proviseur m'a appelé et tout, bah, bref. Voilà, il est bien amoché mon petit loulou, donc au final, bah voilà, je me suis occupée de lui, donc pas de tricot. Voilà, la semaine elle est passée à une vitesse folle, je trouve, et finalement peu de temps pour le tricot, mais voilà, c'est tout, hein, c'est comme ça, c'est la vraie vie. Mais j'aimerais quand même finir ce fichu cadran cette semaine et la semaine prochaine faire le quatrième cadran. Celui-là, une fois qu'il sera fini, je vais le raccorder tout de suite à son copain. Je sais pas où il est. Qu'est-ce que j'en ai fait de mes cadrans? Là. Hop. C'est lequel celui-là? C'est celui-là sur le fil? Oui. Parce que vous savez, en fait, voilà. En fait, regardez. Voilà ce qui me reste à finir. C'est ça. Hop. Si je les mets côte à côte. À peu près rayure à rayure, voyez, il me reste ça à faire et c'est fini. Et celui-là, c'est le premier cadran, c'est celui qui est mis en attente sur un fil. Et c'est un rabat à trois aiguilles. Donc je remettrai celui-là sur une aiguille et puis je vais les rabattre tous les deux ensemble et je vais les assembler. Et après je verrai quand est-ce que je le bloque. Je sais pas encore si je vais peut-être bloquer donc le dos au complet et puis chaque devant, je vais peut-être faire ça. Peut-être que je vais les assembler. Ce week-end, je vais les bloquer tous les deux parce que ça va déjà prendre de la place. Et une fois que j'aurai fini le deuxième devant, je bloquerai les deux devants et je ferai les coutures et je continuerai. Voilà, mais voilà. Là, j'ai un bout. C'est l'autre bout, mais je vais les assembler et après, ensuite, je les bloquerai ensemble. Ils auront la même taille. Voilà. Donc voilà, ça, c'est pour le rose cardigan qui a été mis un peu de côté. Pour les mitaines. Alors mes mitaines, ma mitaine, la mitaine, hop hop hop, non c'est toujours, oh, ça se prend dans les cheveux, voilà, va mettre les petits bloqueurs, parce que j'étais en train de la tricoter, où est-ce qu'ils sont les petits machins, hop, ah d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup de questions sur ce qui est sur mon fond d'écran derrière, donc ce sont des vidéos, ASMR ambiance automne, pour le coup. Voilà, vous cherchez ASMR ambiance automne. Là, vaut mieux tout taper en anglais, ça fonctionne mieux, vous trouverez mieux. Mais voilà, c'est des petites vidéos d'ambiance. Et en fait, comme j'en ai regardé, je mets ça en bruit sonore, j'aime beaucoup. Soit quand c'est juste le bruit du vent, de la pluie ou autre. Ou parfois, il y en a sur le thème d'Harry Potter, j'aime beaucoup. Et j'en mets beaucoup à la maison, j'aime bien. Et donc, ça fait que maintenant, il m'en propose plein. YouTube m'en propose plein, puisque comme j'en ai regardé plusieurs, ben, c'est toujours dans ma sélection devant. Et donc, je ne pourrais pas vous dire vraiment sur quelle chaîne je les trouve, mais voilà, vous tapez ASMR Ambiance, vous en trouverez plein. Voilà. Alors, ma mitaine.
Je vous ai quitté hier, je recommençais tout. Donc, comme quitte à recommencer tout, j'ai fait des côtes. Voilà, pour resserrer là, puisque moi j'avais, comme je les double pas, ça je me souviens, je vous l'avais montré, ça roulotait. Donc, j'ai recommencé. J'ai ici le dos de la moufle, c'est ce motif-là. Alors, le jacquard il est mieux, mais alors c'est pas non plus ce qu'il y a de plus spectaculaire. Alors je trouve que par contre pour le coup on le voit mieux en vrai que là à l'écran. Bon enfin bref, ça fait des petites. Je sais même pas comment dire. Bon, c'est des petits motifs, c'est tout simple, ça se fait simplement. Et de ce côté-là, on a donc là le P il est là, le patronome décrit. Et en fait, ce sont des arbres qui vont être après, qui vont être faits. Voilà. Donc bah, je vois que. Étonnamment, à l'écran, ça se voit pas fort bien. Pas aussi bien qu'en vrai, je trouve. En vrai, on voit quand même mieux le motif. Donc voilà. Et j'ai déjà fait la séparation. Je viens juste de faire en fait. La séparation pour mon pouce. Donc voilà, je viens de la enfiler. Je suis contente au niveau de la tension. Je suis bonne. Ma main, elle passe bien. Ça resserre bien à ce niveau-là. Donc j'aurai pas froid. Donc je suis contente. C'est bien parti. Ça se tricote tout seul. Moi, il faut toujours regarder le patron. Le diagramme, mais ça va vite quoi. Vous regardez, j'ai déjà fait tout ça. Moi, je trouve que c'est impressionnant comment ça va vite. C'est vraiment très très chouette à tricoter. C'est vraiment très sympa. Finalement, c'est pas compliqué. Ça demande de l'attention. Voilà, c'est que des mailles en droit en final. Hein. Une maille en droit rose, une maille en droit bleu. Voilà, c'est juste ça. Mais ça avance bien. Et donc, j'aime beaucoup le. Hop, là, le. Vous voyez les augmentations pour le pouce. Qui se dessine. Et puis là, on met en attente. Donc, par contre, je les ai mis sur mes grandes, sur une grande paire de circulaires. Je verrai si c'est embêtant quand je tricote ou pas, mais j'aime beaucoup cette délimitation-là. Hop, la naissance du pouce. J'aime bien. Voilà. Et entre le devant et l'arrière, on a ces deux lignes. Donc, ça se fait bien, c'est sympathique et j'aime beaucoup le rendu des laines. Voilà. Donc oui, en vrai, le contraste est mieux que vous à l'écran. Donc je suis contente. J'ai bien fait de changer. Ça rend quand même beaucoup mieux. C'est plus simple aussi à tricoter parce qu'avec la laine, avec le zinzin indigo, il y a des endroits où même moi je me repérais pas bien. Là, c'est beaucoup plus simple et c'est pas mal. À l'intérieur, je croise beaucoup mes fils. Hop. Je croise beaucoup mes fils à l'intérieur pour éviter que si je quand je vais passer ma main dedans que j'emporte un fil avec mon doigt ou autre, je préfère les croiser plus souvent pour qu'il y ait voilà, pour pas attraper un fil au passage, comme elles seront pas doublées parce que flemme. Voilà, ça sera comme ça. Et ça sera déjà pas mal chaud hein, parce que ça fait quand même ben, double épaisseur de fil, donc ça sera vraiment pas mal. Voilà, donc aujourd'hui je vais continuer ça. Oui, voilà, là avant qu'on parte, je vais continuer un petit peu ça et puis après j'avancerai pour ce week-end, j'avancerai sur mon rose cardigan. Donc on se retrouve demain pour la fin de cet épisode. Bonjour, on se retrouve pour la fin de cet épisode. Journée où je vais faire le tirage, je vais le faire un peu plus tard dans la journée. Alors, okay, je reviens avec mes moufles. Alors, je sais plus ce que j'avais dit, il est molletonné à l'intérieur. Voilà, j'ai été voir sur le site, Woolpacks, elle en a mis des nouveaux en vente, ils sont magnifiques. Oh, avec un raton laveur ou un hérisson là, avec des animaux, une grosse tête d'animaux qui prend toute la place, ils sont vraiment magnifiques. Et elle a dit c'était molletonné. Chose que moi je pense pas à dire, mais en fait, il y a des pochettes dedans. Vous allez rien voir. Alors, désolé, les chats ils sont en mode bagarre et ils viennent de se claquer dans le meuble. Il y a des poches, moi je les utilise jamais, je pense pas à vous le dire, mais il y a des poches dedans. Enfin bref, alors ma petite mitaine. Oui, j'ai bien avancé, je vous avais quitté juste au niveau de là, donc j'ai avancé un petit peu. Regardez là, le motif, ce sont des arbres, hein. Je vous avais dit que ça allait être des arbres, ça se voit bien. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup, c'est vraiment sympa à faire, donc bon, ça demande de la concentration. Il faut toujours regarder le diagramme, chaque rang est différent.
Voilà, il faut faire attention à ça. C'est vrai que ça demande de la concentration, mais j'aime beaucoup faire. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit compliqué, le jacquard sur des petites aiguilles, mais non, franchement, pour ma part, ça ne l'est pas. Après, moi, j'ai aucune difficulté à tricoter avec des mini-aiguilles. Moi, j'adore tricoter avec des mini-aiguilles. Donc, le jacquard dessus, ça passe bien pour l'instant. Après, je verrai quand il va y avoir les diminutions. Ça risque d'être autre chose, mais pour l'instant ça se passe bien, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc cet après-midi tricoter, alors je le prends pas. Ah, je suis pas folle non plus, pas folle la guêpe, je vais pas le prendre. Cet après-midi, je vais tricoter mon rose cardigan. Et je suis contente. Je suis contente. Ou pas. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça va. Pourquoi j'ai une maille fort détachée là quand même? Bon bref, je suis contente. Elle est où la tête? Là, voilà. Ça y est, j'ai tout mon dos est fait. Voilà, je viens de le finir ce matin en faisant du montage vidéo, je vous en reparle juste après. Et j'ai fait le rabat à trois aiguilles. Donc le rabat à trois aiguilles se fait sur le côté extérieur du pull pour voir l'arête. C'est préconisé comme ça, sinon à l'intérieur, c'est vrai que côté intérieur, on voit. Bah, on voit que ça fait une couture, mais c'est pas, ça se voit pas. Mais André Amaury dit de le faire comme ça pour qu'on voie l'arête centrale. Voilà. Et ce qui m'a interle. Là, vous voyez ce qu'il y a. Parfois, j'ai des mailles un peu plus serrées, vous voyez. Moins serrées. Celle-là, elle est un peu plus détendue. Mais bon. Tant pis, hein. De toute façon, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est fait. Une bonne chose de faite. Hop, mon rose cardigan. Tout le dos est fait. Oh, ça fait un trou de derrière, hein. C'est terrible ça. Bon, ça se remettra bien au blocage. Et j'ai les chevilles qui courent. Oh, comme des faux folles. Enfin bref, voilà. Donc ça va partir au blocage aujourd'hui. Là, après la vidéo, je vous laisse. Je m'en vais le laver, le faire tremper, le mettre à bloquer tout de suite. Parce que ça va prendre de la place. Je vais faire ma couverture de bébé en même temps dans le passage, comme j'aurai de l'eau avec du. Voilà. L'évier, ça sera plein d'eau avec de la lessive à la lessive à laine. Voilà, je vais faire ma couverture de bébé parce que je l'ai toujours pas. Je l'ai toujours pas. Comment on appelle ça? J'ai toujours pas bloqué. Donc là, je vais le bloquer. Mon objectif, c'est de ne pas l'étendre du tout en largeur. Ça va être juste de l'étirer dans ce sens-là. Et voyez. Il y a de quoi faire. Voilà, lui donner plus de longueur que de largeur. La largeur, on va le laisser comme ça. Hein, c'est. Voilà. Alors, je sais pas si on peut commencer à se rendre compte. Alors, attendez, en plus, si je mettais quand même dans le bon sens. Alors, je vous recule. C'est quoi ça? Ouais, voilà. Bon, je vais le faire sur le devant parce qu'en fait, ça me. Au moins, je me verrai dans le retour caméra. Ouais, donc là, à ce niveau-là, on est pas mal. Et à ce niveau-là, ouais, ça me paraît bien. Parce que bon, ça reste quand même un gilet avec énormément d'aisance. Donc on est pas mal, pas mal. Ouais, non, ça a l'air bien au niveau de la taille, hein. Donc voilà, donc là, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et puis après, il sera déjà l'heure de manger tout ça. Donc je vais aller faire ça immédiatement. J'ai enregistré en fait des vidéos ce matin, j'ai fait un gros changement dans mes jeux pour enfants, je vous en ai parlé. Voilà, en fait je vous ai parlé de mon métier d'assistante maternelle et c'est une section que vous allez retrouver à la fin de cette vidéo. Comme ça, ceux qui ne veulent pas voir, ben sachez qu'il n'y aura rien derrière. Et ceux qui veulent le voir, restez jusqu'au bout. Je suis en train en fait de tourner mon gilet pour enlever l'anneau marqueur, mais je l'ai déjà enlevé. Donc voilà, je suis contente, voilà, enfin une chose finie. Donc je vais commencer mon quatrième cadran aujourd'hui, et une fois que les deux cadrans, donc c'est le deuxième devant que je vais faire, et une fois qu'il sera fait, je vais pouvoir, je les bloquerai tous les deux, et puis on assemblera le tout. Aujourd'hui je porte mon pull Ellie. Alors, je me suis rendu compte en faisant la vidéo, quand je vous parlais du pull, qu'il était plein de bouloches à ce niveau-là, là où ça frotte pas mal en fait. Donc je l'ai rasé ce matin, comme ça c'est un peu plus. Voilà, comme ça il a retrouvé toute sa beauté. Alors je sais pas si c'est le fait que ça soit une laine non superwash qui fait qu'il bouloche davantage que les autres. Et je l'ai pas fait là. Ah mon Dieu! Ah bah je l'ai pas fait. Bon bah j'ai pas bien fait de ce côté-là. Ah j'avais pas le temps ce matin, j'ai essayé de faire vite plein de choses et. J'ai fait surtout sur le devant. Bon bah, il refera un petit coup de rasoir, c'est pas grave. Mais ouais, j'avais remarqué en faisant la vidéo qu'il boulochait pas mal. Bon, c'est tout, hein. C'est de la laine, voilà, c'est pas de l'acrylique. On peut pas lui demander d'être nickel tout le temps. Moi, ça me dérange pas, c'est normal.
Et c'est tout, un petit coup de rasoir de temps en temps, et puis voilà. Donc je m'en vais bloquer ça, et je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Alors, je vous retrouve. Une après-midi tricot avec les copines. J'ai super bien avancé. J'ai commencé mon troisième cadran. Voilà où j'en suis. Et j'ai déjà fait la première couleur. J'ai intégré la deuxième couleur. Et tout doucement, là, j'ai intégré la troisième couleur. Hop. Donc, c'est vachement bien parti. J'ai bien tricoté. Je suis contente. Voilà, je reprends super bien sur Rose Cardigan. Je suis contente d'arriver au dernier cadran, c'est quand même un peu redondant à faire, hein, mais voilà. Je me dis que bientôt je l'aurai fini, bientôt j'aurai mon gilet, et ça c'est vraiment motivant. Donc ça y est, c'est reparti pour le dernier cadran. Alors, au niveau des laines, donc ça, c'est ce qui me reste de ma première couleur. Voilà, là pour les cadrans, je l'utilise plus, c'est fini, donc il me reste tout ça. Je la réutilise pour faire les poignées de côte après. Ça, c'est ma deuxième couleur. J'ai encore des rangs à faire avec, mais bon, je suis large, c'est bon. Et ça, je l'utilise plus après. Ma troisième couleur, j'avais entamé le deuxième échevau sur la fin du troisième cadran. Donc voilà. Et j'ai eu assez du ma quatrième couleur. Bah, là, j'ai mon deuxième écheveau qui est bobiné. Et en fait, avec le premier écheveau, j'ai eu assez pour faire les trois premiers cadrans avec la quatrième couleur. Donc je vais entamer le deuxième là pour faire ce quatrième cadran. Et ça sera pour la bande d'encolure. Et après à voir, j'aurais aimé faire les côtes du bas du gilet avec, mais ça j'en suis pas sûre. Ça sera à revoir. Mais voilà, pour l'instant, en fait, pour trois cadrans, à part la troisième couleur où j'ai entamé le deuxième écheveau, ben, tout passe dans un écheveau pour l'instant. Donc, de toute façon, je vous referai un bilan un petit à petit à chaque fois de ce que j'ai utilisé. Puis au final, je marquerai sur Ravelry combien j'ai utilisé. Donc voilà, ça c'est reparti, ça avance bien. Et c'est ce que je vais avancer ce week-end. Donc, bilan de la semaine, j'ai fini un cadran, j'ai assemblé les deux dos, donc ça c'est bien. J'ai lavé la couverture de bébé, mais en fait, je me suis dit, oh, j'attends de laver quelque chose à la main, moi. Voilà, profiter d'avoir plusieurs de laver plusieurs tricots en même temps. Mais j'ai été bête, la couverture de bébé se tricote avec une laine super wash, je l'ai passée à la machine à laver. Donc j'ai passé à la machine à laver, elle est en train de sécher à plat, et franchement, la machine à laver nickel, et ça révèle bien le point, moi. Je suis vraiment contente, à voir quand ça sera totalement sec, mais pour l'instant, c'est bien parti. Et j'ai commencé ma mitaine, ma moufle Harry Potter, et j'en suis vraiment contente, donc voilà. Voilà. Une bonne semaine, mine de rien. Même si j'ai pas eu autant de temps de tricot que je l'aurais pensé. Enfin, que d'autres semaines en fait. Au final, je suis quand même assez contente. Aujourd'hui, ça a bien rattrapé. En fait, j'ai bien tricoté aujourd'hui, donc ça a rattrapé. Voilà. Et bien sûr, on finit cet épisode avec la gagnante. Parce que oui, c'est une fille. La gagnante de la box de Noël de l'écheveau solidaire. Et donc la gagnante est Pascal Fardeau. Félicitations, bravo à toi. Envoie-moi un message sur Instagram ou un mail. Tu retrouves tout en dessous sous cette vidéo. Donc merci à vous tous pour votre participation, pour tous les messages que vous m'avez laissés sous la vidéo, mais que vous-même vous me laissez à chaque fois, quotidiennement, sous chaque vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça m'est très précieux, hein, je me répète, mais je pense que c'est important de vous le dire. Donc je vais vous laisser là pour cette semaine. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans ce matin, je vous laisse avec une petite vidéo sur mon travail. Voilà, si vous aimez pas, vous passez à autre chose. Vous inquiétez pas, il n'y a plus rien après, vous ratez rien du tout. Sinon, en attendant, bah, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout, un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye! Alors, je vous retrouve pour une petite session différente de d'habitude, mais puisque, voilà, ça avait l'air de vous plaire un peu, je vous le mets à la fin d'un vlog. Donc, on se retrouve, on est samedi matin, j'ai pas encore tricoté. C'est vraiment une semaine, pas de tricot, pas beaucoup, mais enfin bref. On est donc à la veille des vacances, c'est les vacances scolaires. La plus petite que je garde, elle est pas là pendant toutes les vacances scolaires. C'est une enfant d'enseignant, donc voilà, je l'ai pas pendant les vacances scolaires. Donc là, pour 15 jours, je travaillais qu'avec des grands, qu'avec mes périscolaires, comme j'ai tendance à vous dire en vidéo. Donc mes périscolaires ont entre 2 ans et demi et 5 ans. Donc là, en fait, je m'en vais faire toute la modification des jouets. Parce que j'ai bébé au quotidien, actuellement, jusqu'en mars, j'ai qu'elle. Bébé a 13 mois depuis hier. Deux bébés arriveront au mois de mars, donc après ça changera complètement l'organisation. Mais bon, bref, toujours est-il que là actuellement,
J'ai un bébé à la journée, mes périscolaires étant là le mercredi, puis alors certains le matin, le midi, le soir. Et le mercredi, en fait, on se rendait tous les mercredis matin au relais, donc relais petite enfance. Donc pour celles qui ne savent pas, c'est le relais, c'est un endroit où les parents peuvent y aller pour trouver des informations concernant les assistantes maternelles, où ils trouvent les listes avec toutes les assistantes maternelles, où on peut faire les contrats, les ruptures de contrat, la paperasserie. Ben, bref, c'est notre intermédiaire avec les parents, c'est sur qui on peut se référer en cas de souci. Et nous, en tant qu'assistantes maternelles, ben, on a les mêmes choses. On a toutes les mêmes aides pour les contrats, les problèmes et tout. Voilà, côté administratif, on se réfère à eux, mais surtout on a des ateliers avec les enfants avec lesquels on peut aller. Donc moi je sais que je suis très bien lotie, j'ai un très très bon RPE, pour en avoir fait d'autres avant, je sais que celui dans lequel je suis, il est royal, il est top. Et donc tous les mercredis matin, on y allait, et donc ça me permettait à mes périscolaires de faire des activités différentes là-bas, sans que j'aie à tout bouger chez moi, et ça c'était pas mal. Donc là aujourd'hui, comme il y a pendant 15 jours ils vont être que là, qu'on va pas au RPE tous les jours, ben on modifie tout. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'enlève et choses que vous pouvez faire. Parce que c'est pareil, on m'a dit, bah, j'ai quand même beaucoup de mamans, j'ai beaucoup de mamies, j'ai beaucoup de nounous, j'ai des maîtresses qui me suivent. Et on m'avait demandé de partager un peu plus mes activités avec mes tout-petits. Donc un truc tout bête que j'aime beaucoup, c'est une boîte de lait. Donc vous voyez, on l'a customisée avec... les enfants avaient fait des dessins, j'ai collé dessus. Et ça tient avec du recouvre-livre adhésif et c'est royal, ça va faire... 6, 7, 6, 5, 6 ans que je l'ai, donc voilà. Donc en fait, c'est une tirelire. Vous voyez, on fait une fente dedans, dans le couvert, et en fait, les enfants apprennent à faire passer des bouchons de lait. Alors, moi, j'en ai de toutes les couleurs. On a bu du lait à la banane, c'était dégueulasse, mais j'avais des bouchons jaunes, j'étais ravie. Donc, pour mes plus petits, comme là, le bébé d'un an, c'est d'apprendre à faire passer le bouchon dans le trou. C'est pas évident. Mais après, quand ils sont un peu plus grands, bah, on va le faire en faisant le tri des couleurs. Mets tous les boutons rouges, les boutons verts, les bouchons bleus, tout ça. Voilà. On arrive à avoir jaune avec du lait à la banane si vous trouvez ça. Souvent, alors nous, on a dû le trouver dans un truc comme Aldi ou autre. C'est dégueulasse, mais ça peut se trouver. Les cantilleux font des marrons, des bouchons marrons. Donc c'est pas mal aussi. Les bouchons roses, alors ça c'est en plus ils sont faits pour mettre une tétine. Ça c'est le lait pour enfants, les tout petits, du lait de deuxième âge. Du lait entier, du lait écrémé et le lait demi-écrémé. Voilà. Ça si vous voulez les trouver. Donc voilà, j'en avais gardé pendant longtemps. Et donc bah, ça, mes plus grands n'en ont pas besoin, je vais le ranger. Mais ça peut être une activité à faire avec vos enfants. C'est pas cher, ça recycle et c'est top. Une boîte de lait en poudre pour bébé. Voilà. Donc, je m'en vais monter tout ça à l'étage parce que c'est comme ça que je fonctionne. On est donc au rez-de-chaussée là, dans le coin. Alors en fait, il faut savoir qu'on a une maison grande ouverte. Les seuls murs qu'on a au rez-de-chaussée sont pour le garage, la salle de bain et les toilettes. Notre séjour, salle de jeu, cuisine, tout est grand ouvert, il n'y a pas de mur. Donc tout est délimité par les meubles. Donc là, on est dans le coin espace enfant et il y a une rotation des jouets tous les 15 jours. Donc par exemple, bébé n'a pas tous les mêmes jouets, au bout de 15 jours, ça change. Et tout ça, c'est à l'étage. Donc là, je m'en vais monter. Tout ça, j'ai pas que ça, faut que je prenne un grand panier parce que j'ai deux bacs. J'utilise des bacs Ikea pour ranger les tiroirs Ikea. Donc je vais monter tout ça et puis on va aller à l'étage chercher des nouveaux jouets. Je vous retrouve à l'étage. Je suis désolée, la couleur de l'image elle est dégueulasse. C'est parce qu'on est dans un côté de la maison où il n'y a pas de fenêtre. J'en ai une par là et j'en ai une par là. Mais face à moi, il n'y en a pas, donc j'ai allumé les lumières, donc c'est jaunâtre. En plus, je suis basse parce que je suis à terre. Et je suis essoufflée parce que j'ai tout monté. Donc voilà, on se retrouve à l'étage. Donc en fait, à nous, notre étage, c'est le même principe qu'en bas. À part le dortoir de mes bébés. On appelle ça le dortoir parce qu'ils dorment tous dans la même pièce chez nous. C'est comme ça que ça fonctionne à la maison et ça fonctionne bien. Et notre chambre, le reste de l'étage n'est pas fermé. Donc le palier, la chambre de Noah, la chambre d'Axel sont grandes ouvertes. On peut rien nous cacher dans cette maison. Sachant que notre plancher, je vais tout vous dire. notre plancher, c'est également
le plafond de la maison, une tuyauterie qui tombe à terre, je l'entends en fait. Il n'y a pas de, on n'a pas de faux plancher, on n'a pas de sol par-dessus. En fait, ce qui, voilà, ce qui en, c'est directement le plancher, c'est le plafond en dessous, donc on entend tout. Alors je vous montre un petit peu. Non, je vais pas me lever donc. C'est un peu, c'est le bazar assez entre cet endroit-là. On est en pleine. Je cherche toujours ma bonne disposition, on va dire. Voilà. Alors je vous montre un peu. J'ai en fait sous un. On est sous les toits, donc j'ai tout un côté où vous voyez mon chéri a fait des meubles qui sont contre le mur là au bout, sous la pente, bon bref. Et donc je stocke tout plein de jouets ici, mais tout plein là dans les bacs. Donc le meuble là-bas au bout, c'est tout ce qui va être mes draps de lit. Là on a des jouets qui sont encombrants et qui ressortent. Et là derrière, j'ai des meubles, donc j'ai des jouets au-dessus, en dessous. Ce meuble-là, c'est pour les périscolaires plutôt. Et le meuble là est dédié à tout ce qui est bébé. Donc je sais la chance que j'ai en fait d'avoir. Voilà. J'ai quand même. On a une grande maison. Et j'ai un bel espace pour moi travailler et pouvoir tout ordonner. Vous voyez, hop. Là, c'est tout ce que je stockais pour bébé. Parce que, comme je vous disais, tous les 15 jours, on change de jeu. Donc il faut avoir du stock. Donc là, je vais tout ranger dedans et je vais sortir tout ce dont j'ai besoin pour mes tout petits, pour mes plus grands, mes périscolaires. Et je vous retrouve après. Alors, je vous retrouve dans ce que nous on appelle le dortoir des petits parce qu'on a une pièce dédiée au sommeil, à la sieste pour les tout petits. Et c'est eux qui ont la chance d'avoir tout leur livre ici, la bibliothèque pour mes petits, elle est là. Nous, on lit tous à la maison. On n'est pas forcément des grands lecteurs, mais on lit tous les soirs. Et j'ai une grande passion pour les livres, pour surtout les enfants. Donc on en a une belle collection parce que je ne peux pas m'en passer d'en acheter. Comme je vous avais dit l'info, je vous avais présenté quelques livres. En plus, je fais ça très. Je range ça de manière très ordonnée pour m'y repérer plus facilement. Quoique là, il faut que je voie pour faire des étiquettes parce qu'à la longue, je m'y perds un peu quand même. Mais j'ai. En fait, ici, c'est mon étagère sur tout ce qui va être les saisons. Donc je vais les trier. Voilà. Hiver, automne, donc automne, hiver, printemps, été. Comme ça, je m'y repère facilement et ces livres-là, ils sortent à chaque saison. Ensuite, là, j'ai beaucoup tout ce qui va être sonore, puzzle, vraiment pour les plus grands. Voilà, les mots et leurs contraires, il fait jour et fait nuit, c'est vraiment pour les plus grands, ça. Suis la ligne, dehors, dedans, voilà, c'est vraiment pour mes périscolaires, je les utilise pas forcément souvent. Et ensuite, là, par exemple, ça va être les couleurs, là, ça va être sur le sommeil, là, c'est sur les émotions, là, c'est tout ce qui est les véhicules. Très dur de trouver des livres sur les véhicules, mais j'ai fini par trouver. On a les animaux, les formes, sur le pot, la rentrée à l'école, et puis en bas, ce sont que des livres à histoire tout simple. Comme je vous disais, en fait, moi, je fonctionne par thème à chaque fois. Donc, voilà, en automne, on lit des livres d'automne. Je ne lis pas des livres sur le Noël en plein mois de juillet. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc, on a toujours des livres qui ont rapport avec une saison, qui ont rapport avec un moment de leur évolution. Donc, là, on est quand même beaucoup dans les couleurs et les formes avec mes plus petits périscolaires. Et on a des livres juste pour le plaisir de lire des histoires. Donc, là. J'ai remonté quelques livres qu'on avait en bas hein, et j'ai adoré celui-là. Bon, je l'ai déjà lu pas mal de fois donc on va le changer, mais il était vraiment bien, je vous l'avais présenté. Donc je vais ranger un peu tout ça et puis on va aller sortir des nouveaux livres pour les vacances. Je vous retrouve en bas, il fait plus beau. Dans les petits livres que j'aime bien tout particulièrement, j'aime beaucoup tout ce qui est la collection Balthazar, hein, c'est connu, je pense. C'est très joli, c'est très. J'aime bien les petites histoires. Donc bon là, il y a quand même pas mal de textes, vous voyez. Donc c'est vraiment pour les plus grands. Celui-là, il traite des couleurs. C'est façon, je crois que c'est assez recommandé à chaque fois quand on cherche des trucs Montessori. Balthazar revient beaucoup, hein, c'est un classique. J'ai cette petite histoire et crac.
Dans la clairière, au pied du grand chêne, se trouve un gros paquet bien emballé dans du papier cadeau. Et ce paquet fait de drôles de bruit. Donc chaque anime... En fait, j'aime beaucoup les illustrations. Regardez-moi. Ça, comme c'est beau. J'aime beaucoup ce côté... féerique. C'est vraiment très très beau. Donc voilà, le papier... Il y a un petit cadeau. Où est-ce qu'il est? Il est là. Vous voyez, il est au pied de l'arbre. Ça fait du bruit, les animaux en ont peur. Donc à chaque fois, il y a des nouveaux animaux qui viennent. Et puis à chaque fois, ça fait des petits bruits. Je creuche. Mmh. Vous voyez, il commence à s'ouvrir. Donc j'aime beaucoup les illustrations. Bon, c'est un peu long en texte, hein, mais voilà, là, c'est quand même des grands que je vais avoir à faire. Donc je pense réussir à les tenir en haleine avec ça. J'ai l'habitude, à force. Donc je sais que cette histoire, elle plaît bien. Et puis en fait, c'est un petit... Il y a un petit garçon qui mange des pommes, tout simplement. Mais j'aime beaucoup les dessins du... Et puis au final, ça finit par du partage, il a des pommes pour tout le monde. Donc c'est pas mal, j'aime beaucoup celui-là. J'ai encore Balthazar, hein. Promenons-nous dans les bois. Voilà, comme quoi j'aime beaucoup. Après c'est pareil, les illustrations dans les Balthazar, elles sont vraiment toutes douces. Mais à chaque fois, il y a quand même pas mal de textes. Mais dans celle-là, je crois qu'on peut chanter un petit peu « Promenons-nous dans les bois ». Pendant que le Yeti n'y est pas. Allez, ça va pourquoi c'est un Yeti, mais bon. Voilà, voilà. Puis quand même avec une partie un petit peu qui fait légèrement peur. Pour Halloween, c'est pas mal. Alors après, j'ai ces livres-là. J'ai ces deux livres-là. Attention, j'arrive. Une fillette, un loup. Donc, ils viennent de « Lire, c'est partir ». Alors c'est un site où vous pouvez acheter des livres, franchement ils sont à quoi, 80 centimes, 1 euro, tous des trucs comme ça. En fait ce qui va vous revenir cher dans l'achat de ces livres là, parce que genre vous achetez 10 livres, vous en avez pour 12-13 euros, mais c'est les frais de port. Puisque comme ce sont des livres, ça coûte, ça fait du poids, c'est lourd. En termes de frais de port ça va être un petit peu lourd, mais moi j'aime beaucoup. J'avais passé une fois une commande parce que c'est pas non plus, il n'y a pas beaucoup de changements, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, donc... je pense que même vous pouvez retrouver ces livres-là, hein. Je les ai achetés il y a déjà quelques années. Mais c'est vraiment bien fait. Les illustrations... Alors attendez. Hop, donc là, une fillette et un loup. Les illustrations, vous voyez, c'est vraiment... C'est ce que j'aime. C'est simple. Il n'y a pas trop de texte, il n'y a pas trop d'images. Ben, les enfants ne sont pas perdus dans ce genre de livre-là. C'est vraiment pas mal. Et là, donc c'est une fillette, elle a peur du grand méchant loup, et finalement elle s'endort, et puis elle le voit, et tout se passe bien, et je sais plus la fin, mais ça fait un an qu'on ne l'a pas lu, hein. On le ressort à chaque automne au niveau là de... C'est son doudou, voilà, ça se vient son doudou. Donc c'est vraiment pas mal, alors puis, finalement, au vu du prix, ça revenait vraiment bien. Hein. Là c'est pareil, donc attention j'arrive, c'est le loup qui a faim, qui veut manger. Tout simplement, il veut manger les moutons, il veut manger la mère grand... et finalement il mange les galettes du chaperon rouge. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Les illustrations sont pas toujours par la même personne, ça change, mais moi j'aime beaucoup. Et puis ça allait, c'était pas mal, je trouvais. C'est juste que voilà, vous faites votre panier avec les livres, c'est très raisonnable en prix. Par contre, une fois les frais de port, bon, ben voilà, ça coûte un certain prix les frais de port, mais je trouve que dans l'ensemble c'est vraiment bien et j'ai pas été déçue des livres que j'ai choisis. Par contre, faut prendre du temps, il y a énormément quand même de choix, tout ça. Mais voilà, lire c'est partir. Je vous le recommande, moi j'aime bien ce site. J'aime bien ce site. Ce livre là, c'est mon préféré pour en ce moment. Le loup n'est peut-être pas loin. On l'avait trouvé en promotion chez Nature et Découverte il y a quand même déjà quelques années et j'avais adoré aux éditions 4 Fleuves. Et donc c'est pas... je sais plus, c'est le cochon, il entend du bruit. C'est le cochon que je vous dis, oui. Il entend du bruit à chaque fois et il a peur que ça soit le loup. Et on invite l'enfant à mettre sa main sous un petit volant et à toucher. Donc là on touche, c'est de la fourrure. Donc il se dit, hein, c'est la fourrure du loup. Bah non, finalement c'était le chat. Là il met sa main, ah ça gratte, ça dirait comme un peu de la lime à ongles. Et non, il a touché les... Il aurait pensé avoir touché les pieds du loup, mais non, c'était les pieds du cochon. Et ainsi de suite, on met sa main, à chaque fois, c'est des trucs différents. Là, on a l'impression que c'est comme de la mousse en pointe, on dirait des griffes. Bon, bah non, c'est... je sais plus ce que c'est, mais voilà. Il y a même une zone où ça colle, alors moi, j'évite d'y mettre mes mains parce que je veux que ça reste collant le plus longtemps possible. Et ce que j'ai adoré dans ce livre-là, c'est qu'en fait, il y a vraiment le loup.
Ah la nounou, horrible. Mais il y a vraiment le loup. C'est pas une histoire qui finit bien. Non, non. Il tombe et hop, le loup, il est là et il est prêt à les manger. Et moi, ça m'a éclaté. Mais franchement. Alors voilà, faut faire attention comment vous... Moi, quand je l'ai acheté, je l'ai lu à mes garçons de manière à leur faire peur. Ah, mais tout petit, j'y vais doucement, forcément. Mais moi, j'adorais l'histoire que pour une fois, il y a un loup. Voilà. Et puis bon, bah, c'est en pop-up à la fin, donc ça plaît énormément. Mais à faire attention de comment on le lit. Et alors après, j'ai sorti aussi L'Animo. C'est un livre qui est pas mal, celui-là. Donc c'est aux éditions Frimousse. Hop, hop, hop. Bon, bah, de toute façon, les livres, ça coûte cher, hein, globalement. Je vous mets celui d'avant. Il était à 13,90. Moi, je l'avais trouvé en solde chez Nature et Découverte, mais c'est vrai que c'est pas donné. Donc là, en fait, quel poisson retombe toujours sur ses pattes? Donc on a une image de poisson, mais si on ouvre, c'est le poisson-chat. Donc en fait, ça reprend un peu les animaux. Quel oiseau adore le caca? L'oiseau-mouche. Vous savez, c'est un peu tous ces animaux qui sont composés de deux noms d'animaux, mais un peu, ils sont déformés ici, et ça fait rire pas mal les enfants, ce genre de choses, quoi. Le moustique-tigre... Donc voilà. Puis regardez, quel crabe tricote, c'est tricoté. Le crabe araignée, qui tricote des toiles d'araignée. Donc voilà, c'est un petit livre sympa, rigolo, que les enfants, ils aiment bien. C'est comique, voilà, ça plaît bien. Je trouve que voilà, en période là d'Halloween, les petits monstres et tout, ça sort bien. Et enfin, ce petit livre-là, on l'a acheté, il est assez récent. Je l'ai acheté dans l'année, La moustache de Monsieur Monsieur. Donc là, c'est en velours, c'est à toucher, donc c'est aux éditions Nathan. Et donc c'est l'histoire de la moustache de Monsieur Monsieur qu'on peut donc toucher. Et il a un air très sérieux et elle s'envole et vous voyez... Elle s'envole avec les papillons, elle ressemble aux papillons. Elle se pose comme les papillons sur les fleurs. Elle se met sous le nez d'un bébé. Oh, des gros sourcils pour un chien, un petit nœud papillon pour un chat. Voilà, ça fait en fait... Donc vous voyez, on parle aussi du... on parle de l'anatomie en parlant des yeux, du cou, de la tête... j'ai trouvé ça pas mal, à chaque fois c'est à toucher donc ça motive les enfants et elle revient à Monsieur Moustache et cette fois-ci il est très content d'avoir retrouvé sa moustache et maintenant il la porte fièrement et il est devenu bien heureux, bien joyeux. Donc voilà, ça c'est un petit livre que j'ai beaucoup aimé, qu'on aime beaucoup, puis la moustache de Monsieur Monsieur, le fait de dire deux fois Monsieur Monsieur, à chaque fois ça plaît aux enfants. Donc voilà, ça va être nos petites lectures pour les vacances, bah, j'espère que ça vous aura plu, la dernière fois ça vous avait beaucoup plu que je vous présente les dernières nouveautés. D'ailleurs, je reviens sur ce livre, il vous avait beaucoup plu. Donc là, j'ai vraiment, parce que moi, je l'ai déjà lu, j'ai pas encore lu à mes petits parce que ils n'étaient pas assez souvent là pour que je trouve le temps de les lire. Mais là, pendant les vacances, on va lire, ça va être vraiment intéressant. Et en plus de voir La naissance de l'arbre, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, c'est qu'à la fin, et ça, je l'avais pas vu, je vous l'avais pas montré. Alors, on a tout le texte qui est remis en fait en une seule traite. Moi j'ai bien aimé de pouvoir tout le relire d'un coup et non page par page. Et en fait ça se déplie aussi, cette dernière page se déplie en trois grandes pages. Et donc il nous explique que c'est un érable sycomore, comment ça s'appelle les jolies fleurs qui poussent, combien il produit de graines par an, vous voyez. C'est vraiment très détaillé, je trouve que ça c'est le côté, voilà, cet arbre peut atteindre 35 mètres de haut. Voilà, le côté très, je sais pas comment le dire, mais vous avez compris. Voilà, ça nous donne toutes les informations vraiment techniques de l'arbre et j'ai trouvé ça vachement bien en fait. Donc voilà, celui-là il est vraiment très très beau, il vous avait beaucoup plu. Au début, il y a une graine. Aux éditions Larousse Jeunesse. Je sais pas si vous le voyez, non, c'est marqué là. Donc voilà. Donc là, je m'en vais ranger tout ça, puis après, je vais aller me poser et tricoter quand même. C'est le week-end, il n'y a pas de boulot. Je reviens parce qu'on avait j'avais un livre que je n'ai pas descendu, il était déjà dans mon autre petite bibliothèque en bas, mais je l'aime beaucoup, les animaux de La forêt des imagies à raconter. Voilà, des éditions Albin Michel Jeunesse. Donc c'est vraiment un très beau livre. Déjà, là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est un petit peu en relief. Le dessin, il est... en relief. Et voilà comment ça se présente. Les illustrations sont toutes douces. Et à chaque fois, on voit les animaux, en fait.
Je crois qu'il joue à cache-cache. Et donc, il demande aux animaux de la forêt s'ils ont vu un tel et un tel. Donc, on a les petits renards, le sanglier, l'écureuil. Et je trouve ça vachement bien parce qu'on a vu dans un livre un sanglier. J'ai un petit qui m'a dit c'est un cochon. Mais non, c'est un sanglier. Donc, on peut. Voilà. Le sanglier avec ses petits, les écureuils, les loups, le hibou. Et regardez les illustrations, elles sont vraiment très très belles. Et j'aime beaucoup. Et au final, ils ne retrouvent pas tout de suite leur ami. Ah, voyez. Regardez comme c'est beau. Il est magnifique ce livre. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Ah, la banquise, la savane et la ferme. Bah, il faut que je les achète. C'est très dur d'avoir des livres sur la banquise. Très dur. Il n'y a pas beaucoup de trucs sur la banquise. Faut que j'achète ça. Et au final, ils trouvent une petite maison. Et elle est là en train de prendre le goûter. Et ils prennent le goûter tous ensemble. Voilà. C'est vraiment très très beau. Je vous le conseille. Il est vraiment très très chouette celui-là. Si vous avez des petits. C'est vendu 7,90 donc un peu moins cher que les autres, c'est déjà ça. Et vous voyez, il y en a d'autres derrière. Faut que j'essaye de les trouver. Je sais plus où est-ce que je l'avais acheté. Mais voilà, je vous le conseille. Donc voilà, vous avez pu voir un peu. Donc je range là dans un meuble Kallax, il me semble, d'IKEA. Et j'ai le meuble là, désolé, avec tous les tiroirs. Donc ma partie du bout, c'est tout ce qui va être loisirs créatifs. Et tout là, ce sont des bacs à jouets que je ferme et que j'ouvre en fonction des jours pour pas qu'ils aient accès à tout en même temps. Et depuis peu, on a la table IKEA aussi où il y a deux bacs qui peuvent se mettre dedans. Où dedans, j'ai mis des Lego également et des jouets à visser, dévisser. Donc voilà, tout est prêt. La cuisine, elle est prête aussi pour qu'ils jouent avec. Donc j'espère que ben, cette petite vidéo vous aura plu. Ce petit voilà, aperçu un peu de mon métier, des quelques livres qu'on va pouvoir lire là pendant les vacances. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça pourra vous donner des idées. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!